Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Tales of Berseria. Précédemment, on a retrouvé Dail, on a appris ce qui s'est réellement passé avec cette histoire de trafiquant. Et au final, Dail, bon bah il est complice, certes, mais c'est aussi une victime finalement. Mais on a surtout appris que les réparations du bateau sont impossibles, donc il va nous en falloir un autre. On va passer par là. Il va nous en falloir un autre. Et on a aussi réussi à foutre en rogne Teresa, qui cherche à nous faire payer ce qu'on a fait à son frère. Allez, en attendant, direction la grotte de Dail. Voir si on peut s'arranger avec lui. マギルを見捨てる。自覚してるだろ。別に見捨ててない。気にしてないだけよ。やっぱり徹底してるな。よくわからない奴だけど、マギルーはそう簡単には殺せないわよ。第一、あいつはこっちの手の内を全部清涼にばらしてるはず。それはそうかもな。だからあいつも知らない手札が必要なのよ。例えば、 死んだはずのゴーマとかね。うん。さて、歯をもう一研ぎして仕上げておくか。ブレードの手入れはしてるのか？なんなら一緒に研いでやるぞ。いい。命綱を気安く人に預けるなと教わったから。おお、なかなかいい師匠に巡り合ったんだな。 俺が研ぐ必要はないが、手入れはこまめにしておけよ。教えるまでもないだろうが、研いだ後は黒ブユを塗って、羊毛で拭くようにな。それも教わったわ。弟を殺したあの男に。OK. Ah, c'est vrai que c'est le coup dur, mais bon voilà, c'était un excellent. Enfin, il avait l'air d'être un très bon instructeur, quoi. Il avait vraiment l'air de connaître son truc. C'est pour ça que Velvet sait si bien se battre. Après voilà, quand elle dit qu'elle est autodidacte ou je ne sais plus trop quoi. Enfin je sais plus si c'était ça dont il était question. Mais si c'était ça, c'était pas très honnête quoi. Enfin bon, allez. On va voir Dail. Pour Magilou, bon bah Magilou tant pis. Hein. On verra bien. C'est pas très sympa mais c'est comme ça. なんで戻ってきやがった。事情が変わった。あんたの襲撃に手を貸すわ。随分勝手言うじゃねえか。仕方ないでしょ。ゴーマなんだから。ちげえねえ。ゴーマになって初めて笑ったぜ。だが、いいのか？自殺行為だぞ。そうならない作戦がある。今、タイマシたちは人質を取って。 私を町に誘い込もうとしている。なら倉庫に通じる抜け道から攻め込めば。ダメよ。多分敵はそこで待ち伏せている。だから逆をついて正面から切り込む。そんなのが策か？正面はおとりよ。敵を正面に集めたところで別動隊が抜け道から港を襲い船を確保。正面から切り抜けた隊と合流して船で脱出する。 あんたには操船を頼みたい。一つ聞かせろ。誰が正面から攻める？もちろん私が。いいだろう。結構は。明日。それまで一休みさせてもらえる？お好きなように。タールのベッドの寝心地は最高だぜ。<笑> Pour un lézard, peut-être. お姉ちゃん。お姉ちゃん。ロフィ。 うなされてたよ。怖い夢でも見た？すごく怖い夢だった。ねえ、話してよ。僕行かなきゃいけないんだ。行くって？沈めの祠、アーサー兄さんが来いって。 あいつ、アルトリウスはあんたを！
大丈夫か? ひどくうなされてたぞ。 平気。 何でもないわ。 付き合わなくても恨まないわよ。 別に。 そうはいかん。 お前が死んだら恩が返せない。 変わってるわね。 そうかな。 だが、 俺はこうなんだ。 ベルベット、 アルトリウスって誰だ? 仇よ。 弟の。 準備は済んだ。 ダイルは出口で待ってるはずだ。 出発しましょう。 OK. Bon, alors en même temps, Rokuro, on comprend pas vraiment ses intentions. Et en même temps, en fait, non, c'est très clair, quoi. Il veut juste rembourser sa dette, voilà. Il estime... Ben voilà, il estime qu'il lui doit quelque chose par rapport au katana et tout, donc... Bon. Ça doit être vraiment très, très important pour lui, pour qu'il accepte tout ça, mais voilà. Au moins, c'est pas trop prise de tête. Après, il y a peut-être une raison cachée qu'on sait pas encore, mais... On va pas s'en occuper maintenant. Allez, donc le plan est réglé, on peut s'en aller. Même si ça aurait été une bonne idée de faire quelques combats ici, histoire d'être sûr d'être préparé, parce que... Une fois qu'on va lancer tout ça, il n'y aura pas de retour possible. Effet bonus en combo. Arts martiaux, coût en JA réduit. Arts cachés, plus de chances d'infliger des altérations d'état. Arts de Malak, vacillement plus long. Brisam, dégâts augmentés. L'effet du Brisam est particulièrement puissant. Aussi lancer un art mystique. Ah oui. Aussi lancer un art mystique après plusieurs Brisam infligera de gigantesques dégâts. Ok, ça c'est bon à savoir. Ça c'est très bon à savoir. Allez, Dial, il nous attend. On est prêt. おかげでね。あれの準備は?バッチリだ。名前、まだ聞いてなかったな。ベルベットよ。生き延びたら、一緒に出航しようぜ、ベルベット。死んだら、墓に名を刻んでやる。口の悪いやつ。そりゃ元からだ。じゃあ行くか。ヘラビーサを襲撃に! そういえば、 あの羅針盤を持って逃げた少年、どこ行っちまったんだろうな? 多分ヘラビーサでしょ? 精霊は大魔師に刺激されてるんだから。 となると、襲撃の時に出くわすかもな。 治療してもらった恩があるから、切りたくないとでも言うの? いや、立ちはだかるなら切るだけだ。 ただ… ただ? 礼を言うのを忘れないようにしなきゃな。 そうね。お前は心が痛まないのか? 別に。精霊はあまり美味しくないって思っただけよ。おお、精霊はまずいのか? 一つ賢くなった。うん。OK, je retourne là rapidement. Ok, apparemment, il n'y a rien. Et donc voilà, on fait équipe avec un démon quand même. Enfin, je dis ça, on est des démons nous-mêmes. Donc à partir de là, c'est pas spécialement bizarre, mais c'est le genre de truc qui aurait jamais pu arriver dans Zestiria, quoi. C'est vraiment énorme. Le coup de l'homme lézard, quoi. Qui a l'air sympa comme tout, en fait. Allez, c'est parti.
Bon, c'est vrai qu'on est toujours en normal, donc difficulté normale, ça devrait aller. On peut pas rentrer dans les... Ouais, voilà, ils nous attendent. Ok, on va faire le ménage. Waouh, elle était bien violente celle-là. Sérieux, je l'adore. C'est celle qui est efficace contre les humains. Alors on va la refaire.生命力ですが、すぐに後悔させてあげましょう。2号。自分でとどめを刺せないのか。臆病者。挑発には乗りません。お前の左手は油断ならない。それに 汚らわしいゴーマの処理に道具を使うのは当然でしょう。じゃあ、私も道具を使うわ。遠赤に硫黄と油。それ、爆発する。 貴様、倉庫の遠赤を！ ノクロ！承知！こら！わしも連れて行け！何をしている！追いなさい！テレサ様！船が！港が！
全部燃えちまうよ。二刀対魔士は消火に当たれ。Ok, la Teresa l'a rien compris. Art appris, génial. Pour Okuro, nouvelle art élémentaire, ouais, la terre, ok, poussée supersonique. On verra ça plus tard. Allez, c'est parti, contre Teresa. On va s'occuper des petits d'abord. Comment il s'appelle lui? Malak numéro 1, lié. Ok. Malak numéro 1, Malak numéro 2. Sérieux, cette violence quoi. Les coups de savate sur un sur un gamin comme ça. Allez Teresa, toi je vais pas te louper. D'ailleurs, ouais non, rien de spécial. Oh, c'était plutôt stylé ça. Je vais la laisser se battre un petit peu pour voir de quoi elle est capable. Ok, de la magie, mais... Elle a quelques techniques quand même. Allez, vas-y, continue. Ouais, c'était pas mal ça. Ok. Bon allez, Rokuro il est mal en point. Il est temps d'en finir. Ok, elle se laisse pas faire quand même, c'est pas mal. Et pourtant, on est qu'en normal. Wow. Yatsura, nan no urami ga atte konna koto? Owari da. Herabisa mo. Onore. Yoku mo. Nan to iu gouma da. Seiryou honbu. Artorius sama ni houkoku shinakereba. Ok, donc voilà, évasion réussie. Par contre, on a récupéré numéro 2. Malak numéro 2. Ok. Maîtrise. Je vais pouvoir changer d'équipement.
active la charge d'âme après être resté en garde pendant un temps donné. Ok. Avec la ventite du paladin, charge d'âme, mettez-vous en garde pendant 1.5 secondes. Vous récupérez 30 JA, soit une âme. Ok, d'accord. Certains ennemis gagnent en puissance s'ils ont un allié sur le champ de bataille. Cet effet se nomme lien de puissance. Vous pouvez l'annuler en battant le bon ennemi. Ces liens apparaissent souvent sur les renforts, donc ne sous-estimez jamais vos ennemis, même si leur niveau est bas. Ok. おまけ? ベルベットのおやつ代わりにはちょうど良さそうじゃな。おやつ。冗談だからな。 Ok, si on nous propose de sauvegarder, on va le faire. Adepte. Ouais. Ok. Bon, ben voilà, on a réussi à s'en sortir. On a récupéré Malak numéro 2. Ok. Qui est pas très bavard, mais bon. En même temps, s'il est habitué à obéir aux ordres... Et puis Maggie Lou aussi, qui finalement est venue. ケーキよく燃えたの。あれでは追ってくるのは無理じゃろうな。というか、港は壊滅、町自体復興できるかどうか。あんた、清涼にどこまで喋ったの。美貌の魔女が極悪非道な傲慢にさらわれていびられるエピソード2怒りのマギルまでじゃよ。よくわかるわ。奴らが処刑しようとした気持ち。 Ouais, il voulait l'exécuter parce qu'elle est insupportable, quoi. Mouais. Ok, il reste Rokuro et Dyle. Dyle qui a vraiment assuré, sérieux. Ouais, il a la classe. Pour un homme lézard. Isogashisou ne. 全く手が足りん。急いで砲楽を確認して倉庫の荷物固定しないと。とりあえず砲は張ったが、ロープの結び方はこれでいいのか。多分ほどけなきゃ問題ないわ。オッケー。目的地はローグレスよ。よろしくね。分かってるが。 Ok, quelque chose qui l'inquiète. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Alors, Malak numéro 2. Ok,
船が揺れても大丈夫な工夫。ベルベット、問題ないわよ。あんた名前は？ニゴじゃなくて本当の名前あるでしょ。持ってみる。命令なら。どうしたいか聞いてるんだけど。答えるのが命令？そうよね。命令すれば自爆だってするのがあんたたち。それが精霊。やっぱり道具か。なら余計な口聞かないで。何？後方から砲撃！海賊船だ！あの旗はまさかアイフリード海賊団？バッチリ狙いをつけられてるぞ。海の上でやり合うのはきっとヤバそうじゃの。陸につけて丘で迎え撃つ。本当にゴーマの集団だ。これは使えるかもな。ゴーマと知ってやるか。イカれた奴らだな。陸の上なら容赦はせんぞ。命令よ、2号。こいつらを蹴散らせ。おっと、相手は俺たちじゃないぜ。Trop la classe. Oreda. Sere. Iya. Shinigami da. Ok, donc le Shinigami, Malak pirate. Voilà, il s'appelle. Enfin, voilà. Il se présente comme étant un Shinigami. Faucheur, ouais, si vous voulez.精霊が海賊をやってるのか。ペンデュラム使いはいないようだ。あ、パンジュ。捕らえられまい。セイ、呪い、そこよ。見切れるか、見切れるか。セイ、呪い、そこよ。捕らえられまい。セイ、呪い、死にさせん。捕らえられまい。死にさせん。ここだ。食らい尽くす。とどめ、バランスプレイだ。捕らえられまい。Allez, on va pas trop faire durer parce que ça sert à rien.合格だ。力を貸せ。はあ、ずいぶん勝手な言い草ね。エラビーサを燃やした奴らほどじゃない。知ってて試したのか。ついでに助けてもいる。あのまま進めばボーティガンの開門に潰されていた。あんたらミッドガンド領に向かってるんだろう。それにはこの先の海峡を通らなきゃならないけど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。文字通り巨大なもんでね。そんな要塞が。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが戦力が足りない。協力しろ。海賊の言うことを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。
じゃ断ってもいいのか。お前たちはお前たちで、俺たちは俺たちでやる。それだけのことだ。けど副長一人じゃ、やっぱり俺たちも一緒に。足手まといだ。お前らは計画通りバンエルティア号を動かせ。Ok, donc il a l'air d'avoir une philosophie bien à lui. Double fouet, stockade ouragan, on verra ça plus tard. Titre obtenu, pareil. Et puis également pour Malak numéro 2. Maîtrise. Ok. Permet aux ennemis errants de se joindre au combat en difficulté normale ou supérieure. Ouais, voilà, comme ça, c'est ça qui permet de faire des combats... avec plusieurs ennemis, je crois. On verra bien. Ok, bandeau de pirates. Les arts de Malak sont de puissantes compétences de soins ou attaques de zone, mais longs à lancer. Leur efficacité dépend de l'attaque d'art du lanceur et de la défense d'art de la cible. Maintenez la touche correspondante pour retarder le lancement. Lors d'un combo, ils sont plus rapides à lancer après un long enchaînement, donc précédez-les d'arts martiaux et d'arts cachés. Pour annuler un art de Malak, appuyez deux fois sur L1. Plus un ennemi est fort, moins vous avez de chances de lui infliger des effets bonus. Mais il est possible d'augmenter ses chances. Par exemple, exploiter ses points faibles s'il est étourdi. Essayez de lui infliger une altération d'état, et vice-versa. Affaiblissez-le, puis tentez de lui infliger des altérations d'état appropriées. Brisez sa garde, par exemple, avec un brise-âme. Avec la ventite du casse-cou, si vous remportez plusieurs fois de suite de nombreux points dans la même zone, en difficulté normale ou supérieure, un ennemi rare est très dangereux et susceptible d'apparaître. Ce sont des ennemis puissants qui rendent leurs alliés invincibles. Ils sont très coriaces, mais vous pouvez les fuir. Terrassez-les pour remporter des objets précieux, de grosses sommes de galde et un grand nombre de points. Donc ça voilà, on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. On va y revenir quand on en... Je vais peut-être attendre qu'on en rencontre un, on verra bien. Les ennemis puissants apparaissent plus souvent dans les cas suivants. La difficulté de combat est élevée, 5 fois plus en difficile qu'en normal. Vous avez gagné plus de points basés sur la moyenne de vos derniers combats. Vous avez combattu plusieurs fois dans la même zone. Essayez aussi d'en chercher dans des zones inférieures à votre niveau. Ok, donc voilà, avec tout ça, on a réussi à s'enfuir, mais on est tombé sur des pirates. Donc à partir de la prochaine fois, ben, on va continuer notre route, mais parce qu'on a refusé leur proposition. Mais bon, les choses ne vont pas s'arrêter là, bien évidemment. Ce sera l'occasion d'en savoir plus sur ce Shinigami. Allez, en attendant, je vous dis bye, salut à tous !